Abonne-toi et active la cloche. Hello, je suis pas maquillée, je m'en fous, je suis dans ma chambre. Pas maquillée. Ah, par contre, ça, faut pas le voir. Ça, c'est le goût de Soudan. Regardez. Hop, écoutez. Je le fais sonner, hein. Allez, on fait sonner. Voilà. Je baisse la télé et je vais vous montrer mes affaires. Vous êtes prêts? Vous n'êtes pas prêts. Tout d'abord, I love you. Ich liebe dich. Te quiero, ti amo, mes choubidous, je vous aime. Ceci, c'est une carte de Enjoy Phoenix qui m'a signé Marie. Voilà, bref. Alors, vous êtes prêts ou pas? Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Alors, on y va. Tout d'abord, j'ai cette petite veste blanche, comme ceci. Voilà, que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément. Pour l'été, c'est parfait. Je l'avais acheté, c'est Made in Italy. Je l'avais acheté sur Internet. À l'époque, je n'achetais pas. Oh putain, la tronche que j'ai. À l'époque, j'achetais pas en. Comment dire Ah, en seconde main. Voilà, ça, je l'ai acheté à showroom privé. C'est un petit manteau rouge et noir qui est trop mignon. Franchement, je l'adore. Pour la saison là qui va bientôt arriver, je trouve le truc génial. Voilà. Ça, c'est un petit manteau que j'ai acheté, que j'aime bien en moumoute, mais c'est pareil, là, ça va être le moment de le mettre parce qu'il est très très léger. Il est vraiment très très léger. C'est vraiment pas du. Ouais, c'est pas épais, quoi. Ça, c'est une petite robe que j'adore, qui est trop mimi. Comme ceci. Elle est trop trop belle. Je ne peux pas les mettre toutes, hein, mais voilà. C'est vraiment une robe. À l'époque, elle a coûté très cher. Voilà. Mais elle est très jolie. Un peu en soie. Ensuite, nous avons l'ensemble kaki avec le pantalon et le pull. Bien sûr, il faut un pull neutre. Voilà, le pull neutre. Et la veste qui est cette qui est en. Qui brille de mille feux, qui est trop belle, elle brille de mille feux, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Voilà, ça c'est vraiment un beau petit ensemble avec le pantalon. Bon, on continue, hein, j'ai eu un petit souci. Alors, voilà, ça c'est un petit gilet tout simplement noir, tout simple, parce que en fait c'est pour aller avec bah, ce qu'on veut en fait. Voilà, vous mettez un petit jean, vous pouvez mettre un petit bustier en dessous, un jean et allez hop, vous sortez. Ensuite, j'ai cette petite robe-là que j'ai achetée 10 euros, 5 euros, à un vide-grenier. Regardez comme elle est jolie à une brocante. Franchement, elle est magnifique. Elle est sublime, je l'adore, je l'adore. Regardez ça, elle est trop belle. Ça, je l'ai payé 5 euros, je ne l'ai pas mis encore. Je ne l'ai même pas repassé. Voilà, c'est une petite chemise avec des petits traits. Franchement, elle est très bien. Ouverte avec un petit bustier et puis un petit pantalon noir. Moi, je suis très noire en fait, vous allez voir. Bah ça fait des années que je l'ai. C'était Chantal Rosner. Des années. Alors, il faut savoir que quand j'ai vendu ma maison, il y a 10 ans, ouais, il y a 10 ans, quand j'ai vendu ma maison, j'ai touché énormément d'argent. Et j'ai voulu me faire plaisir, j'ai dépensé exactement 800 euros d'un coup en fringues. Et donc cette veste, c'est une Chantal Rosner. Voilà, j'avais acheté que du Chantal Rosner, ça me coûtait une blinde. Et la bonne femme, j'en ai eu pour 400 euros ou 500 euros. Elle m'a pris, comment dire, elle m'a offert juste une ceinture. Ouais, bref. Alors ça, je l'ai acheté chez Guérissol. Je l'ai payé 5 euros. Franchement, il est trop bien. C'est un joli manteau. C'est un René Déri, je crois. Ouais, René Déri, bien sûr, je le donne à nettoyer hein, tout le temps. Ensuite, vous n'êtes pas prêts. Hein. Ça, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je regrette. Bon, quoi que je l'ai payé 8 euros, mais je n'aime pas du tout la matière. C'est une petite robe, tout simplement, noire. Mais j'aime pas la matière. Voilà. Je l'ai acheté en solde et je ne pensais pas du tout chez Beau. Et je ne pensais pas du tout qu'elle allait être
un peu bizarre comme matière. Ça, j'ai une anecdote avec, un truc de fou. Un jour, je le mets, je présente mes vêtements et je dis, tiens, mais je suis habillée comme ça. Je suis habillée comme ça. Et en fait, attendez, elle est trop belle. Et en fait, vous voyez, il y a des petits élastiques là, ici, là, des petits trucs. Donc, elle se met comme ça sur les épaules. Et moi, je me lève et hop, et on voit mon soutien-gorge, on voit tout. Wow, je suis habillée comme ça. J'ai fait une vidéo sur. Enfin, j'étais en plein de vidéos, quoi. C'était en direct. Mort de rire, j'étais éclatée de rire. Voilà. Celle-là, elle est trop belle. Mais tout ça, c'est pour l'été, hein. Ça, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Alors, je l'ai payé 15 euros, je crois, ou 20 euros. J'aime pas. Mais ça, c'est l'époque où j'achetais compulsif, hein. Vous voyez, il est tout en plissé. En fait, c'est quand? C'était juste avant le confinement. Ouais, et en fait, c'était la mode des jupes longues. Mais je le remettrai, hein, mais voilà. Donc il est tout neuf, jamais mis. Jamais, jamais. Ça, comme vous avez pu le voir avec mon amie Isabelle, on a été à Marrakech, j'avais tout le temps ça sur moi. Tout le temps. Tout le temps, parce que c'est tellement léger. Regardez, c'est tellement léger, léger, léger. Et en fait, j'adorais, mais vraiment. Et je l'ai mis tout le temps. J'ai des tas de photos avec. Moi, je vous montre mon dressing. Hein. Ça, c'est une combinaison que j'ai achetée. Il y avait des strass là. J'ai trouvé ça horrible, les strass. Donc, j'ai tout enlevé. Voilà, c'est pour l'été. Comme je vous dis, moi et le noir, ça fait deux, quoi. On adore le noir et le vert. Ça, ben, regardez. Il y a encore l'étiquette, je l'ai même pas. J'ai même pas. Je l'ai acheté chez Guérissol, je l'ai payé 5 euros. Il est magnifique, regardez. Il est magnifique. Ça, c'est le moment de le mettre. Hein. Voilà. Franchement, il est trop top. Et je l'ai payé 5 euros et 10 euros de nettoyage. Ensuite. Ce pull, il a toute une histoire. Ce pull, il a vraiment, ouais, vraiment toute une histoire. Voilà, là, vous avez comme ceci le pull. Alors, ceux qui savent, ne le dites pas, sinon devinez en quoi il est fait. Ce pull, il coûtait une fortune. Ma mère, elle l'avait acheté à l'époque, en francs, pour vous dire, 800 francs. Voilà, et c'était à l'île de Ré. Ouais, l'île de Ré, ou... Ouais, je crois que c'est l'île de Ré. Voilà. Et franchement, ce pull-là, dites-moi en quoi il est fait. Voilà. Ensuite, j'ai acheté ça juste avant le confinement. Alors, c'est la dernière tenue que j'ai achetée avant le confinement. Alors, j'ai vu qu'il y avait une petite tache là. Comment vous dire qu'il y en a plein qui l'adorent? Voilà, il y a le pantalon qui va avec. Alors, je l'ai payé une blinde. J'ai payé ça 60 euros. Le pantalon et ça, j'ai payé ça 60 euros. Et je n'aime pas. Voilà. Voilà, c'est tout moi. Je n'aime pas. Je l'ai acheté parce que c'était le début du confinement. Et c'était juste avant le confinement. J'avais craqué parce que j'en avais besoin. Je devais aller à une cérémonie. En fait, je me suis retrouvée avec des gros vertiges. Je n'ai pas pu. Et franchement, j'ai regretté cette tenue, mais bon. Alors, ça, j'adore. Il est hyper vieux, il a je sais pas combien d'années. Je l'adore. Il est trop beau. Franchement, il est trop, trop beau. J'avais dû le payer 10 euros. Ça, c'est quand j'ai fait le défilé Peter Anne. Alors, quand j'ai fait le défilé Peter Anne, j'ai eu en cadeau cette robe qui vaut 500 francs, 500 euros, pardon. Et puis le haut, je sais pas combien, 250 euros, je crois, un truc comme ça. Franchement, c'est Peter Anne, c'est très, très beau. Elle est très belle, la robe. Franchement, elle est très très jolie. Mais le truc, c'est que malheureusement, elle est très épaisse en plus. J'ai la veste qui va avec. Mais bon, elle est un peu longue. Ça, je l'ai mis pendant des années, des années, des années. C'est un petit haut que j'arrive pas à me débarrasser. Alors, là, et les robes d'été, elles sont pas là. Hein. Ça, c'est pas les robes. Ça, c'est pas les affaires d'été en fait. Voilà, ce petit haut, c'est mi-saison.
ce petit gilet qui est trop bien, que j'aime bien. D'ailleurs, je pourrais le mettre avec, j'ai même pas pensé, je vous montrerai avec quoi je peux le mettre après. Ce petit manteau, je l'ai eu en cadeau. Voilà. Nadège, si tu m'entends, hein. Voilà, je l'ai eu en cadeau. Cette robe, elle a fait Rome, elle a fait Civita Vecchia, elle a fait le pont, elle a fait la fontaine de Trevi. Elle a tout fait, cette robe. Elle est magnifique. Mais je ne vous dis pas comment elle rend, mais c'est un truc de malade. Elle est trop, trop belle. C'est fleur du cotonnier. Ça, je l'ai acheté chez Vinted. Je l'ai acheté 10 euros. Ensuite, une petite robe qu'on m'a offert, Flo. Voilà, une petite robe en daim que j'adore, que je mets tout le temps. Vraiment, elle est super sympa. J'avais acheté plein de trucs pour aller avec et j'ai tout donné. Je fais des gros paquets comme ça, énormes, que je donne à Emmaüs. Voilà. Ensuite, j'adore ce petit pull. Il est trop bien. Il est de l'année dernière, il y a 2 ans. Il y avait des petits rubans. J'ai enlevé tous les rubans. En fait, là, j'adore celui-là. Il est trop bien. Voilà. Ensuite, pendant le confinement, c'est la seule chose que j'ai achetée. Mais j'ai craqué. Hein. Comment voulez-vous ne pas craquer sur une robe comme ça, aussi jolie? Je l'ai payée 10 euros. 9,90 ou 19,90, je ne sais plus. En tout cas, elle est trop belle. Voilà. Et la matière, elle est super. Vous pouvez mettre un petit sous-pull en dessous. Franchement, je vous montre comme ça. Ça fait une petite vidéo sympa. À moins que vous ne voulez pas. Hein. Alors, je verrai bien si elle fait des vues ou pas. Voilà, et eh bien ça, c'est une petite robe que j'ai achetée chez H&M, que j'adore. Elle a 2 ans. Franchement, je l'adore. Elle est trop belle, avec une petite ceinture. Elle est trop mignonne. Moi, je la mets avec des caleçons, des leggings. Je sais, fashion faux pas. Mais je m'en fous du fashion faux pas. Ça, je l'ai achetée à Vinted. Je l'ai payée 10 euros. Elle est trop belle. Trop, trop belle. Avec l'étole comme ça, qui tampon comme ça, elle est trop belle. Mais vous avez vu, là, je me mets... je n'ai pas besoin de maquiller pour vous montrer. Oui, je disais, voilà, la petite robe. Je l'ai payée 8,90 €. C'était une fin de solde. Enfin, c'était pas une... C'était Camailleux. Mais Camailleux a fait faillite de son certain magasin. Du coup, je me suis dit, attends, cette robe, elle est à 8 euros. Je vais la prendre. Voilà, et je ne l'ai même pas mis encore. Et je me dis, ça ira très bien avec ce petit gilet-là. Mais je ne vous cache pas que comme je ne sors pas beaucoup, bah, je ne m'habille pas. Là, je suis habillée tranquillousse, hein, je n'ai même pas de soutien-gorge. J'ai même pas de soutien-gorge, mais j'ai une culotte. Petit pull qu'on m'a offert, que j'aime bien, que je mets avec un caleçon, avec un legging. J'adore, j'adore, j'adore. Mais toutes les affaires, les robes d'été ne sont pas là. Si vous voulez, on fera une autre fois avec les robes d'été. Ça, c'est un truc qu'on m'a donné, mais franchement, quand il fait très froid, même quand Yannick il a froid et qu'il vient à la maison, ben, il est bien content d'avoir ça. Ensuite, je vous ai montré cette petite robe, je crois. Hein. Je vous l'ai montré. Hein. Ouais, je vous l'ai montré celle-là. Non, je ne sais pas si je vous l'ai montré. Bref, pas, je vous la remontre. Voilà, je ne l'adore pas. Je ne l'adore pas. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai achetée. J'ai craqué quand je l'ai vue. Mais vraiment. Elle n'était pas soldée. Mais j'ai craqué. Et depuis, bah, je ne l'ai pas mise. Ensuite. Ça, je l'ai trouvé au marché, je crois. Ouais. Enfin, non, je l'ai trouvé dans un truc pas cher. Voilà. Franchement, elle est très bien. Et en plus, vous mettez la petite manche comme ça. Et c'est une marque en plus. C'est JNY. Je vous ai montré une partie. Ouais, je crois que je vous l'avais montré ça. Hein. Je vous l'avais montré celle-ci. Celle-ci, elle est magnifique. Et voilà, je vous ai montré tout le reste, la petite veste blanche et tout. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà, tout ça, ce sont des vêtements que j'adore et que je ne mets pas pour l'instant.
Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis I love you, ich liebe dich, te quiero, ti amo, et je suis dans ma cuisine. Voilà, on a fait une petite vidéo. Je voulais absolument vous montrer ce que j'avais dans mon dressing, mais c'est qu'une partie parce que tout l'été, je ne voulais pas montrer. Et en plus, je ne les mets pas, je ne mets rien. Après, non, je ne mets rien. Mes affaires que je mets, elles sont là. Voilà, elles sont ici. Elles sont là. Et je ne mets rien. Je reste comme ça parce que je ne sors pas, parce qu'apparemment, il ne faut pas trop sortir, je crois, en ce moment, je ne sais pas quoi. Enfin, bon, voilà. Sur ce, je vous fais des milliards de bisous. Je vous dis I love you, ich liebe dich, te quiero, ti amo. Ouais, je me monte non maquillée parce que je m'en fiche. Qu'est-ce que je vais aller me maquiller? Alors, si je me maquille, c'est pour vous. Et comme je vois que vous en fichez un petit peu, que je me maquille, donc du coup, ça ne me dérange pas du tout de rester comme ça, naturel. Voilà, moi, je me montre telle que je suis. Et merci à tous mes nouveaux abonnés. Et puis, je vais mettre une petite chanson pour mes petits bretons. Voilà. Bisous, bisous, I love you. J'ai fait une petite chanson pour eux. Merci Chris pour le montage. La chanson chanson lol. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. À Joinville, le pont, pom, pom, on y trouve qui? Kiki, on y trouve Guigui, FFE. Avec Black Opos, Popos, Emmaus, Ous, Ous. Voilà des belles personnes que j'adore. Et ça c'est pour les haters. Je vous embrasse très fort, je vous dis I love you, ich liebe dich, te quiero, ti amo, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Abonne-toi et active la cloche.